L'école de Manier est composée de 4 classes à double niveau, dont les titulaires sont pour la SPSM Madame Isabelle Wiotu Mapeta, pour un effectif de 20 élèves, pour la classe de SGCP Mademoiselle Linda Huota, pour un effectif de 18 élèves, pour la classe de CE1-CE2 Monsieur Tretoua Hugon, pour un effectif de 18 élèves, et pour la classe de CM1-CM2 moi-même, Monsieur Gilbert Ratina Sami, pour un effectif de 16 élèves. Je suis donc le directeur de l'école depuis 2004-2016. Pour en revenir à la configuration de l'équipe pédagogique depuis 2015, nous étions 6 enseignants pour 4 classes, avec un MCAO, en l'occurrence Monsieur Hugon Tretoua, et une enseignante mobile qui était Madame Veraro Melina, qui, par la suite, est devenue l'adjointe REP plus de l'école de 2016 à 2018. Bonjour, je me présente, Purue Domingo Emanu, directeur de l'école de Takaroa, et en même temps enseignant de la classe CM1-CM2. Alors nous sommes constitués à l'école de Takaroa de 6 enseignants. Nous avons donc 5 classes plus une maîtresse REP+. Alors nous avons donc eu quelques difficultés en début d'année puisque il y avait un poste d'enseignant qui n'avait pas été pourvu. Donc nous avons malheureusement dû encore faire appel à la maîtresse REP+, qui a effectué un remplacement pendant toute la période 1, alors que l'an dernier, elle avait également aussi fait tout un remplacement durant toute l'année. Là, c'était un remplacement de congé de maternité. Donc, je voulais le souligner parce qu'il est extrêmement difficile de parler de la mise en œuvre des priorités si, à l'origine même, la maîtresse REP+ n'est pas libre de toutes ses actions. Voilà. Et de plus, nous avons eu le départ de 3 collègues, dont la fermeture de la classe d'adaptation ouverte et d'un autre collègue qui était en classe. Je suis directrice non déchargée de la petite école à 2 classes de Niao, dont les niveaux vont de la SP au CM2, avec un effectif total de 30 élèves. Yorana et bienvenue à l'école de Tiputa. Je me nomme Maihuti Serge. Et je suis actuellement le directeur non déchargé de cette école. C'est l'une des 2 écoles situées sur l'atoll de Rangiro. L'effectif actuel est de 101 élèves, répartis dans 5 classes. Une classe franche de SP et les 4 autres sont des classes dédoublées. Une SMSG, une CPC1, une classe de CE1-CE2 et enfin une classe de CM1-CM2 sous ma responsabilité. Ok. Maintenant, faisons un tour de mon école en images. C'est parti. Bienvenue dans l'école de Avatoro, la plus grande école des Toamotu Gambier.
accueillant 250 élèves répartis dans 13 classes allant de la STP au CM2. Pour cette année, nous avons pu bénéficier d'une classe de CP dédoublée, d'un dispositif où le CP a été dédoublé, CP avec effectif réduit, ainsi que le CE1. J'ai deux maîtresses spécialisées en effectif supplémentaire, une option D qui intervient à raison de 6 heures sur l'école et le reste du temps sur le collège, et une maîtresse E qui est principalement basée à Avatoro. Bonjour, Hervé Bigotte, je représente le collège de Ranguirois, je suis le principal. Donc je vais vous présenter en quelques mots le collège de Ranguirois. Donc le collège de Ranguirois accueille 365 élèves répartis sur 16 classes, issus de 13 atolls des Tuamotu. Ces atolls sont Fakarava, Nyo, Mataiva, Makatea, Arutua, Kaukura, Apataki, Tikiao et Ranguirois. En 6e et en 4e, nous accueillons les élèves de Manihi, Ahe, Takapoto, Takaroa. Et à partir de l'année prochaine, on accueillera en 5e les élèves du cycle 3 de Fakarava. Les élèves sont répartis sur 4 classes de 6e, 3 classes de 5e, 5 classes de 4e et 4 classes de 3e, avec un effectif en moyenne de 22-23 élèves par classe. Tous ces élèves sont encadrés par 30 enseignants, 16 personnels d'éducation et un CPE, 10 personnels adjoints techniques, une infirmière, une assistante sociale, deux secrétaires de direction, une secrétaire de gestion, un principal adjoint et un gestionnaire. Je vais vous donner maintenant quelques projets mis en œuvre au sein de notre REPUS des Tuamotu. Donc nous activons surtout les devoirs et l'aide aux devoirs grâce à nos services civiques, surtout pour les élèves internes, mais aussi pour tous les élèves du collège. Ensuite, nous avons une prise en charge adaptée pour les élèves en grande difficulté grâce à nos deux professeurs spécialisés. Nous demandons la présence des parents à tous les conseils de classe des trois trimestres de l'année scolaire. Il y a aussi une participation active du foyer socio-éducatif pour l'achat de matériel scolaire et aussi pour le financement de tous les projets mis en œuvre au sein du collège. Et nous réalisons aussi beaucoup de projets de classe, de niveau et d'équipe sur toutes les classes.